per la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, 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 immens Messi. Jugada de l'equip de Duprat, Neymar. Wayne Rooney standing there more out of hope than expectation. Messi, encara 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 Messi. Neymar, Rabiot. Or has he got enough room to get up? No, but I'm he might keep it down. Messi, encara Messi, gol, 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 gol. La mano de la Fo. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue and already. Salut à tous, footeuses et footeuses de bonne famille, c'est Thomas, bienvenue pour le grand décrassage, épisode 14, et oui déjà, hashtag El Grande, pour ceux qui veulent réagir sur Twitter, je les réponds, je suis branché sur Twitter, J19, la dernière journée de l'année 2017, avant la trêve des confiseurs, comme on l'aime si bien le dire. Donc on va débattre de la journée qu'il y a eu hier, ce mercredi, il y a eu plein de matchs. Je marque le Big Four français parce que les quatre gros ont gagné, Paris, Monaco, Lyon, Marseille, dans l'ordre hiérarchique du classement de la Ligue 1 Conforama. Donc on va tout de suite commencer, les amis, par mettre un pouce bleu si vous kiffez cette émission, ce concept, ça m'aide bien. De vous abonner à la chaîne Thomas Parle Foot si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, avoir des notifications par mail quand il y a un nouveau truc qui sort sur la chaîne et de partager le lien, c'est très très important pour exister dans ce monde de YouTube. C'est parti, on va commencer par le match PSG-Caen qui a eu au Parc des Princes, 3 buts à 1, un but de Cavani, Mbappé et Berchiche, Yuri Berchiche le latéral. On va commencer par Mbappé. L'ami Kylian Mbappé qui aime battre le jour de ses 19 ans avec une teinture blanche, on ne le reconnaissait pas beaucoup. Du coup, il a été énormissime, il a marqué un but, il a fait une passe décisive. Franchement, super grand match, on ne peut pas l'oublier qu'il a 19 ans le bonhomme. Le Kylian, du coup, il est très 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 fort. Il a eu un petit passage à vide là quand il était un peu en crise de but, hein, parce qu'il était critiqué. On disait ouais, Kylian, voilà, c'était un flop. Il y a pas mal de commentaires qui disaient que il était surcoté, on en faisait trop. Du coup, quand on voit comment ce gamin a répondu présent et a répondu par les actes et les buts et les passes dés, c'est juste oufissime. C'est le meilleur jeune. Pratiquement de tous les temps, derrière les Henry, derrière les Messi, en termes de buts et d'efficacité, c'est juste incroyable. Il a marqué des buts en Ligue des Champions, il a marqué énormément de buts, plus de 30 sur la saison 2017. C'est clairement le meilleur jeune. Et hier soir, il a régalé avec des percées pour la matière de Cavani. D'ailleurs, Cavani, 155e but, l'a mis futur recordman du Paris Saint-Germain. Il n'est plus qu'à un but de Zlatan Ibrahimovic pour bousiller le record de ce meilleur buteur de tous les temps au PSG. Et voilà, on peut dire que il a été énorme, même s'il a eu pas mal d'occasions. C'est vrai que Cavani est quand même à chaque fois décrit, on dit oui, Cavani il lui faut 20 000 actions pour marquer un but, mais on dirait que hier il était à la chasse au record. On dirait que il voulait bousiller le record de Zlatan, partir tranquillement en Uruguay voir sa famille avec le record dans la poche en disant bah voilà, J'ai niqué Zlatan. Maintenant, en fait, il a pêché un peu dans l'adresse. Il aurait pu même décaler une fois Neymar, une fois Mbappé pour un but. Donc, voilà, il a été très bon, mais il aurait pu être beaucoup plus altruiste. Et là, bah, ça fait deux fois de suite que je le mets dans la semaine, mais c'est le Celso. Il a été énorme. Donc, Thiago Motta, Papi Motta est redescendu en sentinelle à son poste originel. Du coup, bah, le Celso était un peu plus haut, et je trouve que c'est plutôt un milieu off, hein. Enfin c'est un 8 milieu off, et il a été monstrueux, notamment sur la percée, quand il donne le but à l'ami Berchiche, enfin voilà, il fait des percées de ouf, franchement, il est impressionnant de facilité. Il arrive à conserver le ballon, il arrive à dribbler, il arrive donc à éliminer, à percer des lignes, à gratter. Enfin voilà, je pense que c'est un joueur complet. Pour moi, c'est la révélation pour moi de ce dernier mois, parce qu'il jouait beaucoup dans le turnover qu'avait mis en place Di Maria. Di Maria.
n'importe quoi. Emery, et du coup, je trouve que voilà, c'était vraiment super intéressant de le voir comme ça, l'ami Lo Celso. N'hésitez pas à les réagir sur le chat, les amis. Je réponds. Et donc, bah, ce qu'on n'a pas trop aimé dans le match, c'est donc Garande. On déplaise à Guillaume qu'on va recevoir tout à l'heure. Il a mis le bus avec 5 défenseurs. Il a laissé Santini, Rodelin devant, se débrouiller tout seul. Avec pareil, un milieu à 3 très très défensif. Donc ça faisait presque 8 joueurs à vocation défensive, comme tout le monde a fait au parc, hormis 3, hormis Strasbourg chez eux et hormis Amiens qui avait tenté un peu de faire autre chose, on va dire, au Parc des Princes. Peut-être que c'est parce que c'est les promus, peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas très bien le pragmatisme de la Ligue 1 et des entraîneurs Ligue 1 font, voilà, ils font acte de viser le nul pour pas descendre au classement parce qu'ils ont tellement des budgets, enfin, des budgets à 30-40 pour quand, j'imagine, peut-être 30-35 à vérifier. Bah voilà, le truc c'est leur ventre mou et je pense que donc ils ont les chocottes de pas prendre une valise. Vous savez que 3, tandis que Strasbourg qui ont perdu hier, et ben contre Paris ils ont essayé autre chose en tout cas. Donc bah évidemment le bus de Garande est là, le gang des autobus toujours mené par Ranieri, on en parlera tout à l'heure, qui a encore gagné à son score 1-0. Je crois que c'est le 7ème 1-0 de la saison pour Ranieri, c'est un truc de fou complet. Et le mec que j'ai pas non plus aimé dans l'histoire, c'est Thiago Silva, alias le chialeur, qui a fait un match bof. Donc pour moi, c'est pas rassurant parce que je trouve que, ouais, bah du coup, pour revenir sur Garande et le bus, et toujours la conférence de presse d'avant-match, Garande avait dit qu'il fallait jouer et pas mettre le bus. Bah, du coup, il a fait le contraire. Il s'est chié dessus, l'ami. Du coup, alias Silva. Hormis Marquinhos, bah, je trouve que Silva, c'est un peu juste que bon, il y a toujours ce problème de dépression. Le mec, voilà, il est vite en down, il est vite un mental faible. On va dire, c'est un super joueur, mais en tout cas, il a des problèmes quand l'équipe perd, quand l'équipe recule, il prend vite le bouillon et c'est mentalement que ça lâche. Et quand on voit Kimpembe, le match qu'il a fait contre Rennes. Voilà, je dis que c'est pas très très rassurant. Dans le mercato parisien, on sait qu'ils sont sur la Sanadira. Je ferai d'ailleurs une vidéo demain pour expliquer un peu tout ça sur le mercato parisien. Et le fait de prendre l'As qui était voilà, qui jouait plus depuis l'OM. Donc, je sais pas s'il est hors de forme ou pas, mais en tout cas c'est. Bah, j'expliquerai demain dans une vidéo. Et bah, je trouve qu'il faudrait prendre un défenseur central. Que là, Marquinhos, Kimpembe. Et l'ami Thiago Silva au Monstro, ça fait que 3 défenseurs centraux. C'est pas oufissime. Je prendrais peut-être, vu que David Luiz, mine de rien, faisait le taf soit en milieu de terrain pour durcir, ou soit en défense centrale. Et là, on voit qu'il est bon à Chelsea. Il est côtoyé vraiment par le Real de Madrid et par la Juve pour cet hiver. On voit que c'est quand même un bon mec qui aura pu boucher des trous en tout cas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que Paris hier a fait la gestion totale, enfin, c'était presque cadeau, c'était presque Noël. Mais voilà, pour le mercato, il faudra regarder de près ce que font les Parisiens pour essayer d'être opérationnel pour février et le 14 février pour ce match contre le Real de Madrid. On passe tout de suite à l'autre match qui a eu Monaco-Rennes. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, les trucs qui fâchent. Hein, j'ai pas souvent l'habitude de parler des arbitres. Mais là, je vais le faire parce que Benoît Bastien, sur une action où Carrillo va au contact avec Amari. Lopez. Va au contact avec Traoré. Traoré tombe, il reste à terre, et du coup, l'action se poursuit. Les Rennais sont en attente, du coup, parce que normalement, soit les joueurs sortent le ballon, bon, ça, après, c'est eux que ça regarde, ça s'est déjà vu, ou soit l'arbitre siffle. En fait, il faut que l'arbitre décide de sortir le ballon pour que le jeu s'arrête. Du coup, il se passe que. Traoré est à terre et couvre
un attaquant monégasque. Sinon, si Traoré n'était pas à terre, s'il n'était pas là, il y aurait eu hors-jeu. Et du coup, après, la défense rennaise a un peu craqué. Et du coup, Falcao a pu tranquillement, après l'avoir reçu d'un poteau qui la renvoie sur lui, marquer le premier but. Donc, c'est un but quand même entaché un peu. Voilà, ils n'ont pas besoin de ça. Les monégasques, on voit que à Marseille, on en reparlera avec Guillaume, mais à Marseille, il y a un pénalty pour 3 qui aurait dû être sifflé à 2-1. À Lyon, le pénalty sur Mareno, c'est juste une blague. Parce que voilà, Aulas avait un peu vanté la gestion de Le Texier sur la Golden Technology dans ce 3 Amiens. Et du coup, voilà, il a. Et je trouve ça, c'est deux poids, deux mesures. Le Big Four français, il est là. On a besoin de ça financièrement pour pouvoir vendre à l'étranger les droits du foot et aux diffuseurs. Mais bon, ça ne permet non plus de les aider. Voilà, le deuxième truc que je voulais pas dire, c'est le stade Louis II, c'était super chiant. Il n'y a personne. En même temps, Rennes n'en prend plus une affiche, tu vas me dire. Mais c'était vraiment chiantissime. On entendait les cris des joueurs, des entraîneurs. C'est vrai que c'est intéressant des fois, mais c'est ça donne pas envie de regarder les matchs en fait. C'est pas très vendeur. Alors certes, on veut que le Big Four français brille, mais quand c'est à Louis II, c'est une cata quoi. C'est une cata. Faudrait mettre des faux bruits de supporters et compagnie parce que c'est chiant quoi. C'est chiant à suivre parce que on dirait qu'il y a personne. On dirait que tout le monde s'en fout alors que c'est quand même le champion de France en titre qui a fait une demi-finale de Champions League. Donc je trouve que voilà. C'est quand même bien de souligner, enfin, en tout cas c'est mon avis. Et Zéphane, voilà, l'Algérien qui a été mis au placard par Gourcuff, qui rejoue avec Sabri Lamouchi, qui est nul. Qui est nul clairement, d'ailleurs qui a été replacé de l'autre côté quand à la mi-temps pour faire rentrer Rami Bassemani, un autre Algérien qui a été nettement meilleur, on a vu la différence. Mais en tout cas, on a Rennes a un problème, je dis on parce que je suis porteur de San René, je vais pas le cacher. Mais en tout cas. Il y a un problème de clairement de latéraux. À part Amari Traoré, il n'y a pas le pendant quand Balle est blessé. C'est compliqué, Zéphane. Franchement, il a été faible. Il s'est fait avoir par Keita Baldé. Je vais en revenir sur Keita Baldé parce que il a été plutôt bon, même s'il a loupé quand même pas mal de trucs. Les joueurs que j'ai aimés, vraiment, c'est Falcao, El Tigre, qui marque un but de fou, mine de rien. Mais quand vous voyez le boulot qu'il fait. Au milieu de terrain, il récupère les ballons. Enfin, du moins, quand le ballon est récupéré par les milieux def, par Fabinho par exemple, Fabinho qui était très bon, et ben Falcao arrive à orienter le jeu à la manière d'un 10 ou d'un 9,5 et arrive aussi à être là dans la surface. C'est juste incroyable. Je trouve que ce joueur, après sa blessure qu'il a eu en Coupe de France des croisés, il est énorme et je sais pas si. Il pourrait pas jouer dans un autre club top européen. Je dis pas que Monaco n'est pas un club top européen, mais je dis il ferait pas tâche si il rentrait dans la rotation d'un Benzema par exemple à Madrid, ou alors d'un club comme City par exemple pour faire la doublure de Agüero. Je trouve que c'est vraiment un joueur exceptionnel. En plus, IP35 qui me dit il veut partir, tu m'étonnes, parce que là il brille de mille feux en ce moment. Il est énormissime. Il est voilà, le deuxième meilleur buteur derrière Cavani. On a la chance de les avoir les deux en tout cas, mais franchement c'est assez énorme. Et le mec que j'aimais aussi, bah, c'est Bobby Cazri à Rennes, qui marque un pénalty alors qu'il a loupé contre Paris la balle du 4-2 samedi dernier. Il est énorme, on voit que quand il est là, c'est vraiment l'homme providentiel de Rennes. 7 buts en championnat français en 6 mois de temps, alors qu'il est à court de forme et qu'il n'a pas joué tous les matchs. Je ne sais pas si Rennes, apparemment, ils vont essayer de l'acheter dès cet hiver, parce qu'il appartient à Sunderland pour cette patate. Lui, il paraît qu'il veut jouer dans le top 5 anglais, mais je ne sais pas s'il aura sa place à Tottenham avec des Kane, à Liverpool avec des Salah, à City justement avec des Sterling, des Aguero, des Jesus, à Manchester United avec des Zlatan, avec des Lukaku, avec des Martial, ou à Arsenal avec des Lacazette, des Giroud, des Ozil. Donc je pense que dans le top 5 anglais, il est peut-être un peu prétentieux, mais je pense que ce serait quand même quelque chose, franchement, de l'acheter. L'ami Cazri, on va appeler tout de suite de ce pas. Oui, vous le savez, on va appeler l'ami Guillaume. On va débriefer du reste de la Ligue 1. Hop. Et on va l'appeler tout de suite. Moi, je dis comme ça tout de suite. Et pouf, on l'appelle.
Oh. Oh, monsieur Guillaume. Oh. Comment ça va? Tu m'entends? Impeccable, impeccable. Cool, cool, cool. Donc tu verras sur le replay sur la chaîne Thomas Parle Foot, tu verras. Il est là, il est là. Il est jamais bien loin. C'est ça. Bah justement, j'ai mis un petit synthé sous ta photo. Tu verras sur le replay. Le fan de Juju Ferret. Le fan de Juju Ferret, exactement. Donc on va enchaîner donc avec je sais pas quoi. Du coup, parce que j'ai pas eu le temps de trop préparer, on va parler de Marseille 3, tiens. Alors, Marseille 3, où c'est qu'il est là ? Il est là. Voilà. Tant que je retrouve l'affiche. Ouais. Marseille 3. Alors, Marseille 3, donc ce qui s'est passé, c'est que donc début de match assez poussif des Marseillais, les Troyens ont joué, se sont mis à jouer vraiment dès le début du match, ils ont vraiment attaqué fort. Et donc, Troyes profite de sa supériorité dans le jeu pour ouvrir le score, tout simplement. C'est ça. Par Pelé. Un très joli but d'ailleurs. De toute façon, dans ce match-là, il n'y a eu pratiquement que des jolis buts. Hein. Ouais, le but de Payet, il est quand même exceptionnel. Hein. Ça. But de Payet, but de Gustavo aussi est pas mal. Ouais. Et donc, suite à l'ouverture du score donc des Troyens, Marseille s'est enfin mis à jouer. Et bah, on se rend compte que dès que Marseille se met à jouer, ça commence à surclasser un peu les autres équipes. Du championnat français, donc il y a eu ce but, de Payet externe de surface de réparation et qui finit en pleine lucarne et donc magnifique but de Payet et donc ça finit à un partout à la pause et Marseille en seconde période a écrasé les Troyens même s'ils ont eu quelques tentatives pour revenir mais bon. L'OM était beaucoup trop fort et donc sur un long ballon devant, Gustavo reprend, frappe. Bon, il y a une grosse boulette du gardien troyen, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, Marseille a pris les devants. Et puis après, ça a déroulé. Et puis sur une tentative troyenne, Marseille est parti en contre. Et donc, Germain a donc marqué le 3-1 et donc a terminé le match pour c'est de bon. Ça. Alors la polémique qui fait, je parlais de Monaco-Rennes, je parlais de Lyon, on en reparlera par rapport au pénalty, mais je sais pas si tu as vu les images, mais il y avait pénalty sur un 3-1 à 2-1, il y aurait pu y avoir 2-2 quoi. Il y aurait pu y avoir 2-2, mais bon, après les erreurs d'arbitrage, on en voit absolument à tous les matchs, donc... C'est la folie cette année, hein. C'est la folie cette année. C'est incroyable. Je me demande ce que foutent les instances françaises avec l'arbitrage, parce que à chaque match, il y a un problème. C'est bon, les Lyonnais en profitent assez régulièrement, hein, donc tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que pour toutes les autres équipes, les erreurs d'arbitrage, là, ça devient vraiment de trop. Quoi. Donc Marseille 35 points, il recolle au 3, on va dire, parce que Paris est au-dessus. Donc on va enchaîner sur Lyon justement avec cette erreur de Le Texier qui avait été bon justement. Comme je disais, qui avait bien géré la goal line technologie dans ce match 3 Amiens. Et Aulas l'avait justement complimenté en disant c'est un excellent jeune arbitre. Et là, il fait une erreur. Enfin, voilà, il n'y a pas pénalty, on est d'accord. C'est peut-être justement parce que Aulas l'a complimenté que ce formidable arbitre a donné un pénalty au Lyonnais. C'est pour remercier Aulas, quoi. C'est pour lui dire merci. C'est clair. C'est très gentil ce que vous avez dit sur moi. Je suis fan, je vous donne un pénalty. Non, mais sérieux. Toulouse en face, c'était extrêmement maladroit. Enfin, comme à leur habitude, c'était très faible au milieu de terrain. Ouais. Il y a eu une énorme erreur en début de match du milieu de terrain toulousain qui a donné une énorme occasion à Depay. Heureusement que Alban Lafont est là pour arrêter la frappe. Mais sinon, Lyon dans l'ensemble a quand même vachement dominé. Il n'y a pas photo là-dessus. Après, il y a ce fameux penalty. Dias plonge très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il a été très bien formé par l'effet Kyr et autres joueurs de Lyon.
Donc, bah, il commence à bien rentrer dans le moule lyonnais, donc c'est cool. Mais Ouais. bon, voilà, blague à part, dans l'ensemble, Lyon a quand même vachement dominé Ouais, c'est ça. Mais les Toulousains. Donc, le 2-1 est mérité, ça aurait même pu mériter un 3-1, voire un 4-1, parce que voilà, Toulouse a été complètement inexistant. Donc, voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'aide du péno. c'est ça. Bon, on va parler des équipes qui vont mal maintenant. On va commencer par Bordeaux-Montpellier qui perd encore. Ah là Bon. là 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 là. Ah là là. Alors Bordeaux-Montpellier. Alors Bordeaux, bah c'est comme Toulouse. Voilà, c'est complètement inefficace dans le jeu. Ouais. C'est incroyable. Enfin, on a l'impression de voir un milieu de terrain, une défense, enfin une équipe entière quoi, de CFA2 presque. C'est assez incroyable. On a l'impression qu'ils n'ont plus l'envie de jouer. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'ils ont envie que Gourvennec soit licencié? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe à Bordeaux, mais l'équipe ne joue plus. Ouais, ça joue plus. Pourtant, ils avaient mis Otavio, enfin, Lerager, Vada. Malcom était là, donc on s'est dit que Malcom va, Bordeaux va, mais là, non. Mais après, Même. il y avait le bus Montpellier-Rhin qui est, voilà, quoi, Il y a, qui est. bah oui, mais bon, le bus Montpellier-Rhin, on le connaît depuis le début de la saison, Ouais. donc c'est pas surprenant de leur part. Mais bon, ils ont quand même été dangereux plusieurs Ouais, fois ça commence à être pas mal. Ouais, ça commence à être mieux. C'est un bus amélioré. Ça commence à être. Ouais, c'est ça, il commence à y avoir des contre-éclairs qui commencent à faire très mal aux défenses adverses, bah, dont Bordeaux, hein, pour le coup, Ouais. Bordeaux a pris. Ouais, enfin là, Bordeaux. Il y avait une réunion au Haillan, je crois, aujourd'hui. Alors, je vais vérifier. Justement, une réunion avec bah, Martin et Gourvennec. Je sais pas est-ce qu'il a été viré ou pas. Je vais vérifier juste s'il n'y a pas de. Non, t'as rien vu tourner? Non, pour l'instant, j'ai pas vu l'information tourner encore. Je sais pas si elle a été donnée, j'en sais rien. Non, non, Mais non, ok, bah non, mais Bordeaux, voilà, c'est. On va en parler, mais Bordeaux, Lille, Toulouse et Saint-Etienne, c'est vrai que c'est catastrophique. Il y a au moins une des quatre, là, je pense, qui sera dans la charrette, vu que Metz est en train de. Bah, on va pas dire remonter, mais mine de rien, bah, hey. on va enchaîner sur Metz-Strasbourg. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Metz-Strasbourg? Est-ce que, voilà, c'était la question, est-ce que Metz n'est pas en train de nous faire une Caennaise de C'est ça, voilà, 2015? exactement. C'est l'équipe que tout le monde voit déjà en Ligue 2, qui surprend tout le monde et qui fait une deuxième partie de saison incroyable et qui arrive à se sauver. In extremis. Voilà. Bon, après, Metz gagne 3-0, c'est complètement mérité, Ouais, en franchement. plus, ouais. Bon, je pense que Strasbourg doit y avoir le contre-coup de toutes les grosses performances qu'ils ont pu faire depuis quelques matchs. Donc je pense que ouais, voilà, enfin même Thierry Loret, hein, je crois, l'a dit que ses joueurs avaient besoin de se reposer un petit peu, ça se comprend. Et voilà, ils n'ont pas un effectif très très fort et ils font depuis quelques temps des résultats assez hors normes pour une équipe comme celle-là. Donc ouais, Strasbourg a accusé un peu le coup. Mais Metz mérite quand même, ils ont dominé pratiquement tout le match. Il y a eu juste le début de la première période où les deux équipes étaient à peu près à égalité. Mais bon, la seconde période, voilà, Metz a tout lâché et ils ont réussi à mettre trois buts, dont un joli but de Rivière à la fin, qui Ouais. marque en espèce de talonnade Madjer, on ne C'est sait pas ça, ouais. trop, mais plutôt joli. Exactement, Donc. c'est bien. Ils reviennent dans le coup, mais on va dire ils sont quand même à 7 points de Angers, mais voilà, ils montrent. Enfin, ils partent à Noël avec 3 matchs en défaite, 2 victoires, 1 nul. Ouais, c'est plutôt une belle performance, hein. C'est ça. Franchement, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Une belle performance aussi. Dans le sens contraire, c'est-à-dire Saint-Etienne. Donc, hey, j'avais que j'ai pas été devant, mais à l'époque, on avait dit Gasset, le duo, bah forcément Gasset allait prendre la place quand ça allait mal. Bon, bah, Gasset a été sur le banc de Guingamp Saint-Etienne, mais une défaite encore, quoi. Une défaite encore. Bon, après, il va peut-être falloir laisser le temps à Gasset de créer un peu son truc, hein. Là, c'était plutôt Julien Sablé qui avait un peu les choses en main. Mais bon, bah, ouais, Saint-Étienne.
Guingamp a largement dominé la première période. Ouais. C'est face à Saint-Étienne, c'est encore une fois, c'est ben voilà, il se passe rien quoi. Il y a plus d'envie, il y a plus rien. Alors c'est vraiment là, c'est à Saint-Étienne, c'est vraiment la crise dans tous les compartiments du club. Hein. C'est-à-dire les supporters, les dirigeants, ouais. Les joueurs, hein, tout le monde est tout le monde. Il y a personne qui fonctionne dans le même sens. Donc ouais, Guingamp a largement dominé. La première période, heureusement qu'il y avait Jesse Moulin dans les buts stéphanois qui a fait de très très bons arrêts, parce que sinon Guingamp, on pouvait en planter deux ou trois dès la première période. Et pour la seconde période, bah, surprise totale. Saint-Étienne, sur une récupération de ballon au milieu de terrain, part en contre, contre éclair, et donc Hernani vient crucifier le gardien guingampé, et donc ouvre le score. Ça n'a pas duré, ça a duré 3 minutes. C'est bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais. C'est déjà pas mal. Brillant qui bah, on aurait dit que tout le stade Guingampais était sur le terrain. Quoi. C'est ça. C'est fou. Ça. C'est ça. Mine de rien, ils finissent 8e, les Guingampais, cette phase ouais. Aller avec un jeu pas terrible par rapport à l'année dernière. Quoi. C'est pas ouf. Hein. C'est ouf. Ouais, mais bon, pour l'instant, ça tient bon. Ça tient bon côté Guingampé. À voir. Tu vois qu'entre le 7e et le 14e, il y a 3 points. Ouais, ah, ouais. Non, 5 points, pardon. Ah, mais ça va. Ça, non, mais de toute façon, le championnat, enfin, entre la 6e, 7e place, et voire même la 18e place, hein, ouais. ça va à une vitesse. Ouais, tu gagnes 2 matchs, t'es là-haut, tu perds 2, t'es en bas. Ah bah de toute façon, voilà, l'équipe qui montre ça, c'est Nice, hein, clairement. Ouais, bah Nice, alors Nice-Lille, alors Lille-Nice, un partout, qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Alors Lille-Nice, hop, je prends l'affiche. J'aurais pu vraiment bien faire une bonne opération en recollant à Nantes, on va en reparler justement des Nantais, mais ouais, Lille-Nice, ouais, qui se font égaliser, mais bon, pourtant ils dominaient, hein, les Niçois, hein, putain. Ah oui, oui, les Niçois étaient largement au-dessus. Bon, bah, le but. Donc, Nice et Lille ont vraiment bien débuté la partie. Les deux ouais. équipes, c'était assez cohérent des deux côtés. Ça jouait plutôt bien. Mais bon, voilà, Sraffi, le Tunisien, si je ne dis pas ouais, de bêtises, ça, a fait un festival dans toute la défense lilloise et donc vient marquer. Enfin, vient donner le but pour Nice et vient ouvrir le score. Sur la première période aussi, il y a Mike Maignan qui fait une superbe parade sur ouais. une frappe de série, donc qui permet aux Lillois de rester à flot dans ce match. Et puis, bah, pour la seconde période, Nice a tenté de gérer, on va dire. Et les Lillois ont attaqué. Ils sont donné corps et âme pour essayer de revenir au score et ils ont réussi grâce à El Ghazi sur un centre de je ne sais plus qui vient donc égaliser pour les Lillois. Donc et puis bon, bah, il se sera rien passé de plus dans cette seconde période. Voilà. Ouais, c'est un match nul logique, on va dire. Ouais, c'est clair. Et bon, bah les Lillois, voilà, ils sont quand même 18e. C'est quand même super super chaud pour eux, quoi. Ouais. Interdit de recrutement, on en a parlé déjà mardi. C'est chaud quand même. C'est super chaud. Bah les Lillois, ouais. Mais disons que c'est pas l'équipe. Enfin, pendant un moment, c'était l'équipe qui m'inquiétait le plus, que je voyais le plus couler et aller en Ligue 2. Et puis finalement, Saint-Étienne est arrivé. Et pour l'instant, l'équipe qui est la plus inquiétante sur les grosses équipes de Ligue 1 qu'on voit vraiment dans le bas de tableau, pour l'instant, c'est les Stéphanois, qu'on voit vraiment aller dans la charrette avec bah, éventuellement Angers. Hein, et puis bah, pour l'instant, on pense à Metz, mais on ne sait jamais. Une équipe justement qui était en forme et qui n'arrête pas de perdre et une équipe qui surprend vraiment par son jeu. 7e 1-0 de cette poule aller, c'est les Nantais qu'on à la dernière minute par Salah encore. Putain, c'est par Salah. Faut noter que ouais, donc les Nantais donc il y avait deux joueurs importants de l'effectif qui n'étaient pas là. C'était Diego Carlos ouais. Qui n'était pas là, qui est pourtant très important dans l'effectif. Et Yacine Bamou, qui n'était pas là rouge, non ouais. plus. Qui a pris un rouge. Ouais.
Et donc, pour la première période, on est resté sur un 0-0 logique. Les deux équipes ont tenté, mais sans plus. Il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions à noter. Donc, c'était un match plutôt tranquille, un match d'avant Noël, on va dire. C'est ça, mais qui quand Et même qui puis, et puis, et puis, et puis les, voilà. Pour la deuxième période, je pense que ça a dû gueuler un peu dans les vestiaires, parce que Amiens est revenu très très fort en début de seconde période. Ils ont dominé les Nantais, mais sans réussite. Devant le but, ils n'ont pas réussi à cadrer. Et donc, voilà, le petit Salah qui se pointe à la 92e, Ah ouais. qui vient crucifier les Amiennois, et donc qui permet à Nantes de encore gagner pour la 7e fois cette saison, C'est 1-0. fou quand même, je trouve. C'est complètement dingue, quoi. Il va réussir son coup, l'ami Ranieri, quoi. Mais de toute façon, on se rend compte que Ranieri, partout où il passe ces dernières années, ça fonctionne très bien, quoi. Bah ouais, il a fait remonter Monaco en Ligue 1. Il a qualifié Monaco en Champions League. Après, il s'est fait virer. Leicester, champion. Champion, champion. Et pour l'instant, Nantes européen. Putain, c'est. Voilà quoi. Ah bah oui, non, clairement, Ranieri. Sûr qu'il entraîne Nantes cette saison, hein, parce qu'il a dépassé l'âge, hein, ou enfin il est en ligne. Ouais, il y a eu une dérogation. On le voit, puis bah. Mieux pour les Nantais qu'ils soient là, parce que ouais, effectivement, Nantes 5e de Ligue 1. Vraiment de la. Et pour l'instant, ça Ah, potentiellement se qualifier pour l'Europe. ta connexion est pas terrible, terrible, mon ami. Ah, un Ça lag un problème de peu. connexion. En même temps, c'est pas grave, on va terminer vite fait sur ce Angers-Dijon qui permet aux Angevins de respirer un petit peu et d'éviter justement de voir dans le rétro arriver dangereusement les Messins. Voilà, donc on va pas non plus polémiquer trop là-dessus. Je sais que c'était Toko Kambi, mine de rien, il était sur les tablettes de Rennes. Et je Ouais. trouve que c'est le seul bon joueur. Enfin, il y a des bons joueurs, mais c'est vraiment c'est un putain d'attaquant, n'empêche, Toko Kambi. Hein. Bah, c'est l'homme fort d'Angers, ouais, clairement, ouais. Bah, faut partir d'un truc, c'est que voilà, la petite stat du jour, c'est que Angers, c'était la seule équipe avec Metz, si je dis pas de bêtises, à ne pas avoir gagné un seul match cette saison à domicile. D'accord. Donc, bon bah, on s'attendait à ce qu'ils prennent une soupe contre Dijon. Et puis finalement, bah, ça s'est plutôt bien goupillé pour eux, même si la première période a été largement dominée par les Dijonnais Qui menait au score d'ailleurs. et qui ont ouvert le score dès la 7e minute. La petite mise à jour là, qui se fait, c'est peut-être pour ça tout à l'heure que ça a Oh, c'est pas grave. déconné. Mais Et ouais, après. donc ouais, suite à l'ouverture du score et surtout en seconde période, les Angevins se sont enfin mis à jouer et ont vraiment pressé cette équipe dijonnaise. Et donc, au bout de 10 minutes en seconde période, ils ont obtenu le penalty logique, hein, il n'y a pas débat là-dessus. Voilà, les Angevins dominaient à ce moment-là. Il y a eu une très belle percée de Toko Ekambi, encore le même toujours. Et donc il obtient penalty, qui transforme et il vient 10 minutes encore plus tard, 10-13 minutes plus tard, mettre le 2-1 pour les Angevins. Et Transformer puis penalty du coup, ouais. Dijon, mis à part une grosse occasion de Jeannot qui a fini sur la transversale, Dijon n'a pas été spécialement dangereux en seconde période. Donc, après les Angevins ont bien contenu les Dijonnais au milieu de terrain, donc ce qui a permis à ce que les Dijonnais ne créaient pas de jeu. Donc, ça a été plutôt bien vu des Angevins. Et puis bon, bah, ils obtiennent une belle victoire juste avant Noël. Ça marche, merci Guillaume. Bah, je te dis joyeux Noël et puis on se dit à bientôt hein, Mais tout à sur Foot. fait. Voilà, merci encore, t'as été super. Merci, merci l'ami. Salut! Ciao, ciao, salut.
Tac, on va maintenant passer au résultat. Alors que Benoît, le pape, notre pape, nous dit que Dubois, Léo Dubois, sera lyonnais en janvier. Donc je ne sais pas s'il sera prêté après directement à Nantes pour la fin de saison. Mais c'est quand même une grosse perte, mine de rien, pour les Nantais. Alors les résultats complets de cette 19e journée, les petits amis. On a vu donc Guingamp gagner contre Dijon à la dernière minute. Un but de Jimmy Briand, 2-1. Toulouse, Lyon 2-1. Monaco-Rennes 2-1. Angers, Dijon, on va en parler justement avec Guillaume, 2-1. La victoire extérieure de Nantes. But de Salah, 1-0. Le Paris Saint-Germain qui bat sans grande contestation. 3-1 contre Caen. Bordeaux qui est dans la crise, 2-0. Lille-Nice, match nul. Metz qui remonte, mine de rien. En tout cas, mentalement, avec ces trois matchs sans défaite et deux victoires, un nul contre Strasbourg, 3-0. Et Marseille qui finit bien l'année aussi avec une victoire, 3-1. Ce qui donne au classement, on va voir les 50 points pour les Parisiens. Presque à, imaginez, s'ils font la même chose, c'est 100 points. Monaco, Lyon, 41 points. Marseille, 38 points. Nantes, énorme, 5e, 33 points. Nice qui est remonté de ouf avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs. 27 points, Montpellier 26, Guingamp 26, 8e, 9e, Rennes 25, Dijon 24 points, 11e, Strasbourg 24 points, Caen 24 points aussi, qui sont rentrés dans le rang, les Canets, Amiens 3, ils ne se quittent pas les promus, 21 points, 13 et 14e, Bordeaux, Saint-Etienne 20 points, ils ne se quittent pas non plus les équipes européennes du second chapeau qui sont complètement en crise, 15 et 16e, Toulouse 19e, Lille 19e, Angers 18e et Metz qui ferme la marche à la 20e position. On va voir la prochaine journée, il y aura de la coupe hein. Mais la prochaine journée aura lieu le 12 janvier avec un Strasbourg-Guingamp assez alléchant, mine de rien, à la Méno. Rennes-Marseille également le samedi après-midi. Montpellier-Monaco, 3 Bordeaux. Il va valoir cher ce match. Caen, Lille, Nice, Amiens, Dijon-Metz. Le dimanche, il y aura Saint-Étienne-Toulouse. Il y aura Lyon-Angers. Et il y aura enfin un superbe, à mon avis, ça va être intéressant de voir René Ri comment il va essayer de contrer le Paris Saint-Germain, un Nantes-Paris-Saint-Germain. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Thomas Parle Foot. Merci de vous abonner, merci de me laisser un pouce bleu quand Platini faisait des passes magiques dans le carré magique à Luis Hernandez ou à Marius Trésor ou à Tigana. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est assez important pour vivre dans ce monde de YouTube où nous sommes super nombreux. Bon, je vous dis à bientôt sur la chaîne avec d'autres vidéos. Je pense que ça va être le Mercato, le Classico de samedi, le Boxing Day, à mon avis, de mardi prochain. Ça va être super cool. Allez, ciao les amis. Et n'oubliez pas que le football, ce n'est pas que du business. C'est un sport populaire avant tout. Mais oui, c'est comme ça. Allez, écran noir, Michel Pigoli. Allez, ciao les amis. Salut.